take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump, to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump, to the bump, they bump. Clap, slap, jump, to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes entre Passy et la place du marché Saint-Honoré. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les infos plus, on parlera médias, cinéma, théâtre et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui nous recevrons le journaliste Emmanuel Maubert qui nous parlera de toute son actu télé, radio et livre. Promenade de l'info, c'est parti. Et tout de suite, l'info du mois avec Sophie, ça va? Ça va super, sous le soleil. Et en info du mois, on va parler de prix Nobel. Oui, qui vient d'Alfred Nobel, en fait, l'inventeur de la dynamite. Voilà, et comme il a vu que son invention n'était pas toujours utilisée à bon escient, il a décidé de consacrer... d'offrir son héritage, que son héritage soit consacré à la création d'un organisme qui récompenserait des chercheurs dans différents domaines, physique, chimie, paix, plein de choses quoi. Exactement. Donc en l'occurrence là, on va parler de deux prix Nobel. D'accord. Qui sont ? Alors, qui sont un Américain et un Français. Ah, un Français dans le lot, ça fait plaisir. Je suis trop contente, donc je voulais en parler. Ah, exactement. David Weiland, l'Américain en fait, et Serge Haroche, prix Nobel de physique. Ils ont été récompensés pour leurs travaux. Attention, préparez-vous. Alors, écoutez bien la phrase. Les méthodes expérimentales novatrices qui permettent la mesure de la manipulation des systèmes quantiques individuels. Ces recherches permettent d'améliorer la sensibilité et la précision de certains appareils de mesure, dont les horloges qui sont devenues capables de détecter les masses des matières dans le sous-sol et les déplacements de la croûte terrestre, prémisse des tremblements de terre. En fait, on n'y comprend rien, voilà. C'était... Mais si, on a tout compris. On a tout compris. C'est trop scientifique pour nous, ce soir, je crois. Pour toi. Non, alors moi j'ai t'as tout compris. Mais je vais te parler d'un prix Nobel de la paix maintenant. Allez, vas-y, soyons fous. Hein. Voilà, alors c'est presque un coup de gueule ou je sais pas, mais prix Nobel de la paix de l'Union Européenne. Ah oui, c'est complètement ridicule, hein, franchement. Autant bon, c'est super, hein, j'adore ce qu'ils font, c'est bien, ils travaillent, ils sont payés. Ils sont confortablement installés dans leur fauteuil, mais je respecte leur travail. Mais il y a des gens qui risquent leur vie, qui prennent des engagements, des risques. Ouais, c'est vrai. C'est complètement ridicule et ça, j'ai pas honte de le dire. C'était un petit peu étonnant. Et voilà. Et ensuite, on va passer à autre chose. Oui. Et c'est un Alléluia. Un miracle. Un miracle. C'est tellement rare. Oui. Et c'est notre insolite. Et c'est une insolite. Voilà, en fait, la sœur Lutina Traverso a été la 68e miraclée. Ouais. Voilà. C'est elle qui a été reconnue. Elle était en fait paralysée. Ouais. Et d'aller dans les années 60, elle a fait un voyage à Lourdes. Elle s'est mise à remarcher et ça a été reconnu cette année comme un miracle. Et ben ça, c'est très beau et on espère encore qu'il y aura d'autres miracles. Hein. Si ça marche, pourquoi pas? Ah bah c'est super, moi je trouve ça génial. Hein. Et oui, il y en a plus. Et oui. Et non, c'est la poupée qui dit oui toi. Et ensuite, on va continuer avec... Et je te laisse l'annoncer. J'aime bien quand Soso, elle annonce les choses. Ça fait très... ça fait quelque chose. C'est un clin d'œil à toutes les femmes. Ouais. Et ben, une nouvelle planète a été découverte. Et voilà. Et elle est en diamant en plus. Hein. C'est une planète de diamant. Voilà. Alors... C'est une planète qui est, pour les plus courageux, à 40 années-lumière de nous. Ouais. On prend le train de tout à l'heure, on y va. Donc ouais, bon, une année-lumière, ça fait 9461 milliards de kilomètres. D'accord. Vous multipliez par 40. Mais bon, si vous y êtes courageux, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, donc elle a été découverte par une équipe américo-française d'astronomes. Elle s'appelle Cancri, 55 Cancri E. Oula. D'accord, retenez le nom, hein, parce que je crois que c'est très important. Il doit y avoir une signification scientifique. Hein, Il y a un truc derrière. Ouais, il y a un truc derrière. Mais voilà, donc oui, je sais, c'est très tentant. Ouais. Elle fait deux fois la masse de la Terre, donc il y a du diamant. Ah bah non. C'est pour ça qu'on prend le train de tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez compris maintenant. Voilà, si vous aimez la chaleur, il y fait plus de 2000 degrés. Ah ouais, d'accord. J'enlèverai ma veste pour si l'occasion. Si vous êtes endurant,
y aller. Ouais. Et si vous aimez la chaleur, ouais, et ben vous avez plein de diamants qui vous attendent. C'est trop bien. Ouais. Et ensuite, on court là pour faire la petite... Allez, viens. Ouais, allez, on est des joueurs de foot. Et on va passer à la dernière chronique, la petite chronique, la mini chronique de Sophie, c'est le sauce spur. Le sauce spur. Le sauce spur. Pas les pompons. Voilà. De la pompon girl. Et la couleur de cheveux et le t-shirt, mais pas les pompons. Ah oui. Et il y a une médaillée et un bébé. Oui, Kerry Walsh. Ouais. Qui a, qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Ouais, et ben elle vient d'annoncer en fait que quand elle a gagné les Jeux Olympiques de Londres, ouais, en beach volley, et ben elle était enceinte de 11 semaines. C'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Et elle a déclaré que quand elle sautait dans le sable, qu'elle se jetait dans le sable pour ramener l'or à son pays, ouais, et ben elle avait enlevé dans le ventre. Oh, c'est mignon. Et pour finir mon petit chronique sport, et ben on va parler de Zizou, ouais, Zinedine Zidane. Ouais. Et ben... Zizou, 98 souvenirs, bring back. Voilà, et ben peut-être que bientôt vous allez le voir entraîneur parce qu'il est en train de passer, son diplôme. Son diplôme d'entraîneur. D'entraîneur de... T'imagines si on a tous ceux de 1998 qui passent entraîneur. Hein, voilà. Laurent Blanc. Voilà, bah c'est ça. C'est, voilà. Peut-être bientôt, enfin, on ne souhaite pas parce que ça se passe bien avec Didier Deschamps, mais peut-être dans quelques années, elle est peut-être l'équipe de France. Hein. Et bah oui. On sait pas. Et puis juste pour finir, parce que ça me tient à cœur. Ouais. Allez, c'est un petit coup de cœur. On en avait parlé le mois dernier, mais il fallait quand même le signaler ce mois-ci. Voilà, je l'avais annoncé le mois dernier, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire si tôt. C'est Félix Baumgartner. Eh oui. Qui a réussi l'exploit, qui a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Il l'a dit, il l'a fait. Ça lui a coûté cher quand même. Bah, ce saut, 5 millions d'euros. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit sorti de ses poches. Mais ça a rapporté surtout, hein, je pense, de l'argent aussi. Hein. Qui vole dans le... Comme quoi, on dit pas de marque, mais ça donne bien des ailes. Ouais, ça donne bien des ailes. Son sponsor principal. Hein. On donne des ailes. Voilà, ça donne des ailes. Et puis, c'était top parce que voilà, il a dit, il l'a fait. Et il a tenu et il a sauté. Et il a passé le mur du son. En fait, c'était ça l'info de toi. C'était ça. Et ben, merci beaucoup, ça Sophie, pour ces infos du mois. Et on se retrouve le mois prochain. Et tout de suite, l'info politique avec Martial, ça va? Ça peut aller, à part ma petite un peu gonflé en ce moment. Oui, un petit souci voilà. On ne parle pas grand-chose. Enfin, en tout cas, en actualité politique, on va parler d'abord de la visite de François Hollande au Sénégal. Oui, effectivement, un grand événement. François Hollande donc, était vraiment attendu au Sénégal donc, par rapport à sa visite. Il devait faire preuve de diplomatie. Mm-hmm. Il faut se souvenir du discours de Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait dit, je cite, « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Je m'en rappelle. Donc c'était assez chaud quand même pour la visite de François Hollande. François Hollande souhaite en fait une nouvelle politique africaine basée sur une entente équilibrée, respectueuse et transparente. Plusieurs problèmes étaient à régler par François Hollande pour sa venue au Sénégal. Tellement de problèmes. Voilà, surtout par rapport à l'immigration malienne qui arrive en grand nombre au Sénégal. La France en fait pourrait intervenir dans le nord du Mali où des milices islamistes font régner la terreur ouais, sur le pays. François Hollande devait évoquer la question donc avec le président Macky Sall lors de sa visite. Second problème, la colère surtout des Sénégalais par rapport au visa temporaire pour venir en France. On a entendu dans l'actualité. Voilà, ils doivent vraiment dépenser des milliers de CFA, de francs CFA, 5000 CFA pour la carte pour appeler un consulat et 4000 pour des frais de dossier. Il faut savoir que ces frais ne sont pas remboursés et surtout l'attribution de ces visas dans le monde rapporterait 44 millions d'euros à la France chaque année. Ah oui, effectivement, ça comblerait un peu le déficit. Voilà. Tout à fait. Et double visite donc pour François Hollande en Afrique. Il devait également se rendre en République démocratique du Congo pour évoquer les problèmes sur le plan de droit, sur la démocratie et surtout sur la lutte contre la corruption. Donc un voyage très tendu pour François Hollande en RDC. Affaire à suivre. Et ensuite, on va continuer avec la dépénalisation du cannabis. Oui, comme tu dis effectivement Nicolas, ça, dépénalisation du cannabis, c'est très dur. Alors quelques chiffres avant de commencer. 13,4 millions de Français ont déjà testé le cannabis. Et surtout 1 million d'eux en consomment chaque mois au moins 10 fois et 600 000 par jour. Il faut savoir que ça rapporte 850... C'est horrible. Il faut signaler. 850 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires du cannabis que ça rapporte. Sachant qu'un gramme
grammes de cannabis coûtent entre 4 et 8 euros. Et en plus, ça coûte très très cher et c'est très mauvais pour la santé. Et 70% des Français seraient aussi la dépénalisation du cannabis. Alors il faut savoir à quoi consiste le cannabis. La dépénalisation du cannabis, ça fera partie du best-of. C'est surtout à ne pas punir la consommation effectivement du cannabis. Souci au sein du gouvernement, Jean-Marc Ayrault a rappelé à l'ordre son ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui lui souhaitait un débat sur ce sujet, mais le ministre a affirmé qu'il n'y aurait pas de débat. Il cite « Nous ne sommes pas des commentateurs, les ministres doivent se défendre sur la position du gouvernement. » Vincent Peillon est revenu sur ses déclarations en disant que c'était une réflexion personnelle. Exactement. Et enfin, on va terminer avec le mini-retour de Nicolas Sarkozy, plutôt une conférence à New York. Mini-retour, on va dire grand retour de Nicolas Sarkozy en fait, en conférence à New York avec un discours effectivement dans une conférence dans un hôtel. Il a effectivement été invité par une banque d'investissement brésilienne, la BTG Pactual. Il faut savoir qu'apparemment elle aurait versé 77 000 euros à Nicolas Sarkozy pour cette conférence. Un discours d'une cinquantaine de minutes où Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la crise européenne et sur la montée des pays émergents. Il a d'abord commencé bizarrement son discours en anglais et pour terminer en français. En français, comme l'ancien président. Tout à fait. La chef de l'État a sans doute une reconversion effectivement au niveau de ses conférences, parce que depuis son départ de l'Élysée, il a quand même été contacté pour faire 70 demandes environ d'intervention. Ah oui, quand même. Mais une info, d'après Alain Juppé. Donne-nous toutes les infos. Alors, d'après Alain Juppé, Nicolas Sarkozy n'exclut pas son retour à la politique. Il y a souvent des proches de l'ancien président qui annoncent son retour. Alors, est-ce que ce sera véritable un jour ou en 2017? On verra. Et ben, merci beaucoup, Martial, pour ces infos politiques. Et on se retrouve le mois prochain sans l'hamster. Voilà, sans l'hamster. Merci. Et tout de suite, les infos plus avec Anaïs, ça va? Coucou Nico, ça va et toi? Bah ça va, tranquille, on est à l'île aux cygnes, tout va bien. Hein? Ça, il fait super beau, t'as des cygnes, une dinde, tout va bien. Quoi. Et en Actu Média, on va parler d'émissions qui recommencent. C'est ça Nico, j'ai envie de te dire, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Est-ce que tu sais que la France a un incroyable talent? Eh oui, c'est de faire du neuf avec du réchauffé. Ouais. Non, parce que c'est encore les mêmes émissions et il n'y a pas que sur M6. Hein. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Ah d'accord, t'es déjà largué. Non, si déjà t'arrives pas à me suivre en Ile-de-France, t'es pas prêt de faire Koh-Lanta. Hein. 12e saison sur TF1. Grimper sur la tour Eiffel. C'est ça. Non mais tu sais qu'à mon avis, Koh-Lanta, ils vont plus trouver d'île sauvage à force. Hein. Ah bon? Non, puis en plus avec la fonte des glaciers, je te dis pas. Tiens d'ailleurs, un qui a toujours pas trouvé la fille qui le fait fondre. Hein. Mais non, pas toi, Nico, t'as pas cette tête de chien battu. Je croyais que tu me trompais déjà. Ah d'accord, non mais ça faut pas le dire. Et non, moi je te parle de TF1 qui veut épouser mon fils. Hein, ah oui. Avec toujours Elsa Fayer aux commandes de l'émission. Alors j'ai envie de te dire, c'est un peu dommage qu'elle soit maquée et qu'elle ait déjà trois gosses. Mm-hmm. Parce que sinon on aurait pu la marier vite fait avec le fiston et puis hop, on n'en parlerait plus quoi. Ouais. Ça serait pas mal. Énergie 12, t'as le retour de la Starac. Ah oui. De nouveau dans le château. Je connaissais pas ça, tiens. C'est ça, et la Starac. Juste 10 ans que ça existe, je connaissais pas. Non mais c'est le retour. C'est le retour. Le comeback. Hein. Et donc de nouveau dans le château, la Starac. Bonjour l'austérité. Hein. D8, la nouvelle Star, enfin Star. Enfin, en même temps, la chaîne Star. C'est ça. En même temps, j'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mmh. Bah oui, la preuve, la moyenne d'âge du jury. Non, parce qu'il faut pas te leurrer, Nico. Les vraies stars de l'émission, tu sais, Morane, Sinclair. Faisiez-vous au temps chaud? Vous chantiez? Eh bien, saké maintenant. Enfin. J'aime bien le petit. T'as vu? J'ai travaillé ma gestuelle. Ouais, je vois ça. Enfin, chronique et gestuelle. Hein. Saké, c'est pas du professionnalisme. J'ai plutôt envie de dire danser. Eh oui. Danse avec les stars sur TF1. Ah oui. Alors après. À chaque fois on fait des trucs débiles. Oui, c'est vrai. Alors, donc Danse avec les stars. Donc après Marthe Mercadier, le cinquième âge virevoltant. Ouais. Et bah pour cette année, pour cette troisième saison, ça change. Et oui, on fait plutôt dans le fleuret avec Laura Flessel, enfin, qui vient de se faire éliminer. Oui. Mais t'as aussi l'artillerie lourde. Amel Bent, Chimène Badi. Une vache à mille temps. Non, n'empêche. C'est un peu. C'est pas gentil, c'est juste. Pas gentil. C'est juste pour citer Brel. Juste parce qu'elle a une taille de guêpe, c'est tout. Oui, c'est ça. On va dire ça. Oui, enfin bon, surtout, moi je trouve que sur TF1, leurs castings sont mal faits. Mm. Non, parce qu'en fait, Amel Bent, Chimène Badi, bah, c'est de là. Mm. Elle serait beaucoup plus crédible en jury de Masterchef. Ah oui. Et oui, bah, ça fait quand même 3 ans qu'on nous le ressort. Hein. Ouais, oui. Comme quoi, Nico, à la télé, même quand tu cuisines avec du frais, c'est toujours un peu du réchauffé. Hein. Décidément. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mm-hmm. Mais est-ce que tu sais dans quoi on fait les meilleures daubes?
dans les chaudrons, demanda Obélix. Et bien justement, en actu cinéma, on va parler du nouveau Astérix, enfin du nouveau film. C'est ça, t'as vu la transition. Ah ouais, ouais, j'adore. Alors effectivement, je vais te parler de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Alors, tu veux le pitch? Je sais que t'adores mes petits pitchs. Ouais. Alors vas-y, allez, allez, raconte-moi 50, l'histoire. Voilà. C'est 50, tellement nouveau, Astérix. Bah oui, attends. En 50 avant Jésus-Christ, donc t'as Jules César qui a soif de conquête. Ouais. Et du coup, il décide d'envahir cette mystérieuse, ce mystérieux pays appelé Britannia, dans la Bretagne en fait. Hein. Mais un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Et du coup, Cordélia, la reine des Bretons, eh ben, appelle à son secours les Gaulois Astérix et Obélix. Mais malheureusement, rien ne va se passer comme... Et bah même idée fixe, tiens, par un peu tristounet. Mais bon, lui, à mon avis, c'est différent. Je pense qu'il a mal vécu le succès de son rival dans le film The Artist. Ouais, et justement... Oui, Nico, parce que Huggy, le chien de The Artist... Sort ses mémoires et c'est l'actu livre, du moins. C'est ça, c'est la sortie bouquin. Je me suis dit, on va pas faire les grands, les grandes œuvres. Un chien qui sort ses mémoires, hein, c'est courant. C'est ça, exactement. Alors, on a presque plus parlé de Huggy que de Jean Dujardin dans le film The Artist. Mais d'ailleurs, à mon avis, il a dû en entasser, tu vois, des nonos dans sa niche fiscale. Ouais, 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 dans sa niche fiscale. Du coup, le chien décide de raconter sa carrière dans un livre. Normal, ah, bah, puisqu'il parle pas, c'est un peu normal qu'il s'exprime avec la plume. Alors, sur le livre, t'as quoi? T'as des traces de pattes? T'es en train de casser mon effet, là. Je te disais, c'est dommage. J'aime bien casser tes effets. Voilà, mais à chaque fois, en plus, c'est fou. Hein. Je dis, c'est quand même normal, comme il ne parle pas, qu'il s'exprime avec la plume. Enfin, le poil. Ça valait le coup de la faire, quand même, celle-là. Exactement. Enfin, bon, du coup, Huggy, qui est désormais à la retraite, parce qu'il a 10 ans quand même, la petite bête. Bah oui. Eh bien, oula, il y a de l'eau, c'est... Là, on nage, c'est on nage. Je vais mettre mes bottes en caoutchouc. Sur l'île aux cygnes, nous sommes dans des flaques d'eau. C'est ça, exactement. Mais on vous aime. C'est ça, on vous aime. Oui, donc je te disais, comme il est à la retraite, il profite de son temps libre. Je marche, je pourrais se filmer comme je marche, tu veux c'est assez rigolo. Il profite de son temps libre pour écrire. Ouais. Et donc, le 24 octobre en France, eh bien, il publie ses mémoires. D'accord, qu'on achètera tous. Hein. C'est ça. Alors, on apprend par exemple ses rapports avec l'alcool, sa love story avec Reese Witherspoon, sa partenaire dans De l'eau pour les éléphants. Mm-hmm. Puis, il nous confie aussi des choses beaucoup plus graves. Par exemple, oui, il avoue avoir tué un chat par le passé. D'accord. Je n'en suis pas fière. Ouf, ouf, précise-t-il. Ce qui est courant dans la vie d'un chien. C'est ça. Non, mais moi, je suis contre. Mais d'ailleurs, je suis contre. Et à mon avis, en France, Brigitte Bardot l'aurait fait condamner à un an de niche conditionnée. Et pourtant, Huggy, comme Brigitte Bardot, il se sert de sa célébrité pour défendre la cause canine. Ah oui. Je le cite. Ah bah alors vas-y, cite. Attention, j'ai bossé mon truc. Entre je guillemets. Suis peut-être le premier chien, ouf, ouf, à avoir gagné un Oscar et à publier un best-seller, ouf. Mais mon travail le plus important, c'est le secours canin, ouf. Et nous, on a envie de dire, c'est ouf. Waouh, bravo. Et moi aussi j'en sors des bonnes. Hein. Et d'ailleurs si tu veux te marrer, j'avoue qu'elle était très bien. Très bien. Si tu veux te marrer, tu peux aller sur YouTube, il y a une vidéo qui présente la sortie du bouquin et où tu vois Huggy apporter la patte finale à son récit. Bon. Allez venez Médor, Miller, ça te dit quoi ça? Oh Edith Piaf. Bravo, mais quel talent. En même temps, j'ai un peu de culture quand même. C'est ça, tout de même. Et si je te dis Christelle Cholel en piaffé, tu te dis que c'est le moment de mon... Eh bah coup de théâtre. Coup de cœur, théâtre. Enfin, c'est coup aussi de un cœur, coup de théâtre, cette t'appelles chronique. Ça quand tu veux, tu vas parler de théâtre. C'est pas grave, il nous en voudra pas. Je viens de donner une claque à quelqu'un en direct. C'est pas grave. C'est un coup de théâtre pour le coup. Et donc Christelle Cholet, 5 ans de succès avec son spectacle L'Empiaffé, revient au Théâtre de la Renaissance à Paris avec son tout nouveau spectacle. Exactement. Et là, elle se contente pas de revisiter Piaf, mais toutes les chansons à succès. Quoi. Ah oui. Et c'est un pari plutôt réussi, puisqu'elle arrive à nous livrer un spectacle différent, mais toujours dans le même style, avec le même peps, le même humour débridé, et surtout avec sa voix exceptionnelle, parce qu'elle a vraiment un organe magnifique. Oui. D'ailleurs, j'ai adoré le spectacle et j'y retourne la semaine prochaine avec des copines. Donc si tu D'accord. Voilà, on va regarder ça. Les copines, elles sont mignonnes, mais Christelle Chonet, elle est canonissime. Hein. Donc voilà, un t-shirt, c'est chou comme tout. Quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon. À moins qu'il y ait d'autres joggers à taper. Ou d'autres... Non. Des lacs à affronter. C'est ça. Merci beaucoup, Anaïs, pour ces infos plus. Et on se retrouve le mois prochain. C'est ça, pour un nouveau Koh-Lanta presque. Voilà. C'est ça, les balades. Bisous. Left jump to the bumpy bump. Et
tout de suite, dans le bonus de l'info, nous recevons le journaliste Emmanuel Maubert. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, on peut vous voir et vous entendre. On vous entend tous les matins sur Europe 1 de 5h à 7h. Alors, exactement. Comment ça se passe la préparation d'une émission radio? C'est déjà le réveil à 2h du matin, ce qui est déjà en soi quelque chose d'assez bizarre, de pas normal, mais en tous les cas, c'est vrai. 2h du matin pour être à la radio un petit peu avant 3h. Et puis, pendant 2h, je prépare le journal de 5h. Et puis, il y a récupérer toutes les différentes chroniques, les textes des chroniqueurs, etc. Et préparer la tranche d'info pendant 2h. Et puis, à partir de 4h57, je suis en studio. Devant le micro. Voilà, exactement, pour accueillir les auditeurs. Et puis, on lance la tranche avec Christine Peña qui m'accompagne, qui fait les points météo et qui est ce qu'on appelle une meneuse de jeu. Donc, qui là, on est là tous les deux ensemble tranquillement pendant 2h. Et puis avec mon réalisateur Nicolas Charpentier qui est un élément super important dans cette histoire, parce que sans lui on ne serait pas à l'antenne. Et donc voilà, et donc on est tranquille, voilà, et c'est bien, ça se passe très bien. On a fait une première saison qui a bien marché, absolument. Avec une belle audience. Absolument, ça en était très content. Et donc Denis Olivet, le président d'Europe 1, et Fabien Lamias, le nouveau directeur de la formation, ont demandé de faire une deuxième saison, de remplir. Et je le fais avec plaisir, parce que ça c'est une affaire de passion en fait. Quoi. C'est la passion. Mais oui, parce que se lever à 2h du matin, si on ne fait pas dans des temps avec passionnés, plaisir. C'est pas la peine. Quoi. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est la passion. Et quel est votre petit secret justement pour ça? Est-ce que vous avez une petite touche personnelle? Non, mais ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'être naturel, d'être moi-même, quoi. C'est-à-dire plutôt chaleureux, plutôt sympathique. Alors, c'est un peu bizarre de se définir comme ça, ça fait un peu immodeste, mais voilà, c'est d'être chaleureux, dynamique, dire délivrer l'information, parce que c'est quand même l'info, c'est sérieux, mais aussi être assez. Voilà, décontracté, on s'amuse, moi je fais parfois des petites blagues, on rigole, c'est sympa, c'est quelque chose de chaleureux. Les gens qui se réveillent à partir de 5h du matin pour aller travailler à l'usine, c'est difficile. C'est difficile, absolument. Donc l'idée c'est de les accompagner, de dire ben voilà, on est un peu dans la même galère entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tous debout, voilà, et on préférerait être au lit sans doute, mais on est tous ensemble, on est là et on va vous accompagner, on va vous donner l'info du jour, et puis on va essayer de vous faire un petit peu sourire quand vous êtes dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, et puis voilà, puis c'est parti pour aller travailler, quoi, voilà. Et également, tous les soirs à 19h dans l'émission C'est à vous aux côtés d'Alexandra Sublet. Alors c'est une ambiance un peu de famille hein, quand même. C'est vraiment ça. C'est une famille ou une bande de copains. C'est vraiment ça. C'est la quatrième saison là, hein, qui a démarré en septembre. Avec une très très belle audience. Un million de téléspectateurs. On bat les records. Ouais, c'est ça, record sur record. On vient de faire des semaines à plus de 15% par rapport à l'année dernière. Enfin, ça se passe vraiment très très bien. Je crois que c'est vraiment un rendez-vous que les téléspectateurs ont pris avec nous, c'est-à-dire le soir à 19h, on rentre du boulot, on s'assoit devant sa télé, voilà, et on est un petit peu. L'idée c'est que les téléspectateurs soient un petit peu un invité supplémentaire dans ce loft et autour de la table du dîner. Quoi, voilà. C'est vraiment ça. Et c'est là aussi une ambiance très décontractée. On essaie que ce soit chaleureux dans la mesure du possible. Et puis voilà, puis c'est passé un bon moment. On retrouve tous les samedis aux côtés de Babette de Rosière. Non, les petits plats de Babette. Samedi, dimanche et même tous les jours, parce que François rediffuse les précédentes des émissions à la mi-journée. Les petits plats de Babette, effectivement, c'est leur émission de cuisine où Babette de Rosière, bon, chef guadeloupéenne qu'on ne présente plus, hein, qui est évidemment c'est à vous. Et elle, voilà, on concocte une petite recette. Enfin, elle concocte la recette, parce que moi je suis absolument pas cuistot, je suis pas chef, rien du tout. Moi je suis juste son petit commis, quoi. Je vais découper des petites échalotes, des choses comme ça, je vais cuire les carottes et effectivement des objets. Chaque semaine, une petite sélection d'objets pour la cuisine. Alors des choses un petit peu insolites, étonnantes, des nouveautés dans la mesure du possible. Et voilà, pour que dire aux gens, tiens, ça peut vous faciliter la vie dans votre cuisine avec telle ou telle chose, et voilà. Et c'est là aussi d'une façon très très décontractée avec Babette, on s'entend bien, on s'est connu en fait sur C'est à vous la première saison. Moi je la connaissais pas Babette avant, enfin, j'avais déjà vu à la télé bien sûr, et puis on a vraiment sympathisé très vite. Et puis le producteur Pierre-Antoine Capon, qui est le patron de 3ème qui produit C'est à vous, et puis également l'équipe de Babette, m'a demandé, tiens, si ça me faisait marrer de co-présenter une émission avec Babette. Et je dis bien oui, évidemment, avec grand plaisir, parce que moi la cuisine j'adore ça. Là pour le prouver. Du coup on fait ça, on s'amuse, et c'est vraiment très sympa. C'est une émission qui marche, donc regardez là. Absolument. Voilà, une émission et également une séquence où
bavette de rosière va au marché pour choisir. Voilà, c'est bon pour exactement. Le visage, je trouve ça génial. C'est pour la recette du jour, en fait. Voilà, elle va effectivement au marché choisir les différents produits. Elle connaît très bien les marchands du marché, donc c'est aussi dans une ambiance très, très décontractée, on s'amuse, c'est vraiment sympa. Et l'idée, bah, c'est de donner envie aux gens de faire la recette, de s'amuser en cuisine. Généralement, c'est des recettes où on peut faire tout en famille, les enfants peuvent aider à découper les petites choses, etc. C'est et on peut servir. Voilà, c'est vraiment très bien. Très familial. Exactement. Également, un livre, événement, le livre d'Emmanuel Maubert qui va sortir. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un livre qui est sorti le 18 octobre dernier, Des Amis et des Hommes, aux éditions Prisma. En fait, c'est un livre que j'ai coécrit avec Gaëlle Placek, une journaliste de Télé-Loisirs. Et en fait, c'est une histoire d'amitié au départ, ce bouquin. Un bouquin sur l'amitié fait par des gens qui sont amis dans la vie. Voilà. Et en fait, on a décidé de rencontrer différentes personnalités pour que ces personnalités nous racontent leurs amis, leurs amitiés. Amis. Alors, c'est des personnalités comme Michel Drucker, comme Nico Saliagas, Laurent Bass, Bruno Solo, Philippe Candeloro, Dan Pecoff, une famille formidable. Et donc, on discute avec eux, c'est des grands entretiens, et donc ces personnalités nous parlent de leurs amis, et on a aussi rencontré les amis en question, donc il y a des petits encadrés où les amis leur racontent des anecdotes sur justement leur amitié, et il y a aussi plein de photos, ils ont accepté de nous ouvrir un petit peu la boîte au trésor, la boîte à chaussures avec toutes les photos intimes, donc on voit Michel Drucker dans des dîners, chez lui à Galière, dans le Midi, il y a les photos de postes de Bruno Solo, enfin il y a plein de choses, la photo de Nico, ce gamin en Grèce, enfin, voilà, c'est un bouquin qui est, c'est un bouquin qui est très tendre, enfin c'est vraiment, voilà, puis l'amitié c'est vraiment une valeur universelle, tout le monde, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, et là c'est vraiment un bouquin avec les choix assumés, revendiqués, voilà, c'est, on est amis parce que si, parce que ça, et voilà. Et bien merci beaucoup Emmanuel Maubert d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous l'écouterez maintenant le matin sur Europe 1, vous le regarderez tous les soirs dans C'est à vous. C'est plus en pouvoir, c'est plus en pouvoir de moi. Et quand, avant d'aller vous coucher, vous allez lire son livre. Voilà, exactement. Merci de nous avoir suivis, Promenade de l'Info, c'est terminé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, www.promenade-de-info.fr et sur nos réseaux sociaux. Ciao, voilà. Everybody stand up, clap, clap, jump to that bomb, they bomb, back, slap, jump to that bomb, they bomb.